personne qui triche, sinon il a pas vraiment compris le concept. C'est Piment Fort avec votre animateur, Normand Bonsoir tout le monde, bienvenue à Piment Fort, l'émission qui vous divertit presque autant que le moron qui essaie de sortir d'un banc de neige en pesant sa suce. Pour s'amuser avec nous ce soir, Marie-Pierre Morin, Laurent Paquin, Dominique Paquin! On s'est vu hier. Je suis pas obligé de vous saluer, faire semblant que je suis intéressé par votre vie, non? Correct. Alors, on va jouer tout de suite à l'album photo. Je vous ai demandé de fouiller dans votre téléphone et de me sortir des petites photos, mais les expliquer. On va commencer par Marie-Pierre. J'allais faire du magasinage aujourd'hui, puis je me suis trouvé une belle petite jupe en vente, pas cher. Puis c'est le fun parce qu'elle va nous faire aux trois. Moi, c'est une petite jupe taille haute. Pour Dominique, ben ça peut faire un petit chapeau. Puis pour Laurent, ben une bague d'orteil. Merci. J'ai même amené. Dominique! Oui! Ben, moi, j'ai fait un peu de rénovation, puis j'ai décidé de prendre une photo. Ben, voici le résultat, ce que ça a donné. Marteau 1, moi 0. Et Laurent! Laurent? Oui, alors, je te photo. Moi, j'ai décidé de cuisiner. Ça, c'est le déjeuner que j'ai fait à ma blonde. Peux-tu croire qu'elle était pas contente? C'est elle qui m'a dit qu'elle avait une carence en fer. Et ça? Oui, et ça, ben ça, c'est moi qui cuisine encore. Dans le fond, c'est juste pour dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'aller dans le sud pour se toaster à la banane. Vous étiez tous très bons. Mais je sais pas pourquoi. Vous donnez une piment à Marie-Pierre. Oh! Comme dirait Stéphane, mon ami le fermier, si ta vache donne du lait sur elle, t'avais juste pas à dire qu'elle avait un gros derrière. Et c'est pour ça qu'on va jouer à Vive la différence! OK. Normand, t'es-tu correct? Oui, je suis correct. Je vous demande la différence entre quelque chose et quelqu'un ou deux personnes. Comme par exemple, c'est quoi la différence entre Georges Saint-Pierre et Saint-Pierre de Rome? Mm. Ben, si tu prends une photo de Saint-Pierre de Rome avec un flash, ça lui donne pas mal à la tête. OK. Quelle est la différence entre un divorce et un GPS? Il y en a pas, les deux partent avec le char. La différence entre un divorce et un GPS? Les deux causent le soulagement quand t'as l'impression de tourner en rond. Oh! Entre la différence entre un divorce et un GPS? Le GPS arrête de parler, lui, à un moment donné. La différence entre le maire Jean Tremblay et Mario Tremblay? Mario Tremblay a déjà été l'idole de quelqu'un. Le ouais. Jean Tremblay, Mario Tremblay. Mais il parle pas de la même façon. T'sais, Jean Tremblay, lui, il parle plus comme hey, t'allais là-bas, là. Tandis que Mario, lui, c'est plus comme shooter. La différence entre Jean Tremblay et Mario Tremblay. Ben, c'est Mario qui a eu les commotions cérébrales, mais c'est Jean qui a eu les séquelles. La différence entre Télé-Québec et l'Égypte ancienne?
En Égypte ancienne, il y en a un chat. Au Québec, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas un chat. Ah! OK. La différence entre Télé-Québec et l'Égypte ancienne. Il y en a pas, les deux. On Astérix et Cléopâtre. La différence entre Télé-Québec et l'Égypte ancienne. OK. Tu sais, quand t'arrives avant, là... Oh, Seigneur, je me mets de la pression. OK. Dans l'Égypte ancienne, il y avait tout en camon. Oui. Télé-Québec, tout en carton. Ah, c'est bon! Oh, OK. T'as pas l'air sûr. Évidemment, je suis pas d'accord avec rien de ce qui s'est dit, là, à l'instant. La différence entre Richard Martineau et du yogourt. C'est rare qu'une polémique commence avec du yogourt. La différence entre Richard Martineau et du yogourt. Le yogourt, il est plus au courant qu'il est passé date. La différence entre Richard Martineau et du yogourt. Les deux provoquent la flore intestinale. Le piment. Yeah. Bon, le rapport oh! Cœur, mon monsieur! Merci. Comme se sont dit les politiciens après la commission Charbonneau. Ça pourrait être pire! Je vous nomme une situation et vous me dites qu'est-ce qui pourrait être pire. Comme par exemple, qu'est-ce qui serait pire que de passer 6 heures dans l'avion à côté de quelqu'un qui a le mal de l'air? Mm. C'est lui le pilote. Oh. OK. Au Mexique, un chien goûte au repas du baron de la drogue El Chapo. Ça pourrait être pire? Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait être. Au Mexique, un chien goûte au repas du baron de la drogue El Chapo. Ben, ça pourrait être pire. Le El Chapo pourrait goûter à bouffe du chien. Au Mexique, un chien goûte au repas du baron de la drogue El Chapo. Ben, ça répète pire, ça répète sa mère qui goûte en disant « C'est pas bon, hein? Ben, c'est ça que tu mérites! » Une épicerie offre des coupe-fins gratuits à l'achat de 60 $, je vais le dire. Je recommence. Une épicerie offre des coupe-fins gratuits à l'achat de 60 $. Ça pourrait être pire. Il pourrait augmenter le prix de la bouffe bio pour compenser. Ben, on va s'entendre qu'un piment à 45 $, ça va être beau. Là. Oh boy! OK, non, je sais pas si c'est ma joke qui est pas bonne ou s'il y a personne qui mange bio ça. Le jeu... OK, là... Le jeu s'appelle « Ça pourrait être payé! » Ça pourrait être payé! Oh, OK, là. Une épicerie... Une épicerie... Je visais lui, je m'excuse. Offre des coupe-fins gratuits à l'achat de 60 $. Ça pourrait être pire, il pourrait donner des coups de pied d'un gosse. Une épicerie ça serait pire. Offre des coupe-fins gratuits à l'achat de 60 $. Ça pourrait être pire, tu sais. Honnêtement, il y a de la guerre dans le monde. Fait que moi, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas te dit ça. Il y a de la guerre dans le monde. Ça pourrait être pire que ça. La guerre. La guerre dans le monde. OK. On va jouer à une autre question immédiatement. Un homme est mis à l'amende parce qu'il n'a pas déneigé sa voiture. Ça pourrait être pire, il aurait pu trouver le cadavre dans le coffre du char. Un homme est mis à l'amende de ne pas avoir déneigé sa voiture. Ben, ça aurait pu être pire. La montagne de neige qu'il y avait sur le top du char aurait pu tomber sur le chien Cléo. Oh. Un homme est mis à l'amende pour ne pas avoir déneigé sa voiture. Honnêtement, je veux pas m'acharner là-dessus, mais il y a de la guerre dans le monde. Je comprends pas. L'Université York accepte 500 étudiants par erreur. Ils les ont tous... Ah, ben... On est à TV. Excusez, c'est pas ça que je voulais dire. OK.
L'Université York accepte 500 étudiants par erreur. Oui, ils ont tout envoyé en plastique. L'Université York accepte 500 étudiants par erreur. Ça aurait pu être pire, il aurait pu les accepter pour vrai, puis il aurait été obligé de déménager à Toronto. L'Université York accepte 500 étudiants par erreur. Ben, ça aurait pu être pire parce qu'il aurait pu en accepter 501 ou, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a la guerre aussi. OK, on passe au vote. Qui a été le meilleur? Avec mon œil de Black Sabbath qui ont de la misère à trouver le Centre Bell à cause des cataractes. Et le piment de Dominique Parker. Et revenez-nous après la pause. Piment fort après les 6 mêmes pubs que d'habitude. Et puis, comme disait le douanier qui voyait le gars louche marcher, les jambes écartées, une démarche vaut 1000 mots! Je vous nomme une personnalité connue et un endroit et vous me dites quelle serait sa réaction dans cet endroit. Comme par exemple Danny Turcotte qui sort d'un show d'humour. Il fait... Ah, c'est ça, faire des jokes! OK. Guy Laliberté qui entre dans un magasin à une pièce. Marie-Pierre. OK. Peux pas croire que j'ai... Oh, excuse-moi. Okay, vas-y. Parce que j'étais trop concentrée sur ma démarche. Oui. OK. Peux pas croire que j'ai vu la Terre du point de vue de la Lune puis que je m'achète de la bouffe en canne. OK. Tu vois que ça, c'est un panier. OK. Denis Lévesque qui entre dans un marché aux puces. Laurent. Pop, est-ce que je me trompe? Ben, c'est ici que mes recherchistes trouvent la moitié de mes invités. Martin Picard qui entre dans un restaurant végétarien. Comment ça qu'il y a juste des légumes? Jean-Pascal qui rentre dans un magasin de miroirs. Marie-Pierre. OK. La seule façon de rendre ça plus beau ici... c'est de racheter des miroirs. Le réalisateur Pods, qui sort d'une comédie musicale. Dominique. Oui, ben, je vais le faire un peu comme Marie-Pierre faisait Guy Laliberté avec un panier autour du bois. Oui. Il sort puis il fait... Il y a un foulard aussi. Ouais, ça manque de braillage puis de Claude Legault. Shandy d'Unité 9 qui entre dans une épicerie. Laurent. Hé, hey, oh, la rangée des cocombes! Hé, hey, oh! Le piment vers Laurent Pantin! Oh! C'est le temps de sortir votre liquid paper pour votre dictée parce que c'est le temps de jouer d'aller si aime les rêves! Merci. Je vous donne une supposition et vous la complétez. Comme par exemple, si j'avais les ailes d'un ange, pas sûr que je partirais pour Québec. OK. Toi, c'est sûr que t'as 3-10 d'écrasés dans le cou. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Si Internet n'avait jamais existé, on rirait peut-être en regardant Rire et délire. Non, c'est pas un bon exemple. OK.
Si Internet n'avait jamais existé... Ma mère m'aurait jamais vu topless à Varadero. Moi non plus! Internet n'avait jamais existé. J'aurais jamais vu la vidéo. Tu sais, la vidéo, là, il y a un gars qui se rend 32 asperges dans le nez, là. C'est Si je pouvais avoir n'importe quel moyen de transport. Moi, ça changerait pas grand-chose. J'ai Netflix, moi, mais non, je suis toujours effoiré. Si je pouvais avoir n'importe quel moyen de transport. Moi, j'aurais un Segway, mais je ferais poser un bad. Dans le fond, je veux un scooter. Si je pouvais avoir n'importe quel moyen de transport. Moi, j'aurais, tu sais, les gros trucks Garda que je n'envoyais, mais c'est de me couper, ça va. Ah! Si j'avais un quotient intellectuel de 180, je saurais si c'est un bon score, 180. Si j'avais un quotient intellectuel de 180. Je le trouverai encore drôle, la vidéo, tu sais, sur le web, Si j'avais un quotient intellectuel de 180. Écoute, Normand, j'accepterais cette baisse avec modestie. Et si le Père Noël était une femme? Ah, oh, mon Dieu! La bonne femme Noël, elle, sa maison, elle serait dans le sud et pas au pôle nord. Si le Père Noël était une femme... Si le Père Noël était... ça serait Mère Noël. Si le Père Noël était une femme... Est-ce juste moi qui l'ai pas gâché? Si le Père Noël était une femme... Elle aurait une moins grosse poche. Ho, ho! C'est ce qui sauve les librairies de la faillite. C'est les bio non autorisés! Oh. Oh. Alors, je vous nomme une personnalité et vous me dites c'est quoi le nom de sa biographie. Comme par exemple, le titre de la bio de Dom Pocket, ça serait « Rien que c'est une gosse ». Mais non, il ferait jamais ça, c'est tellement de mauvais goût. Oh! OK. La bio de Charles Tisser. Oh. Le ver de terre de Tanzanie orientale. C'est fascinant. La bio de Charles Tisser. Après la pause, ma naissance. La biographie de Charles Tisser. Je suis la pire des imitations. Je ne fais que lire un prompteur. Je n'ai aucune connaissance générale. C'est très chiant. La bio d'Adèle. La seule fille avec qui James Bond n'a pas essayé de coucher. Calmez-vous. C'était encore drôle. La bio d'Adèle. Le titre, c'est... La bio d'Adèle. Allô? C'est-tu toi qui m'Adèle? La bio de Paul Hood. Je connais à rien à l'athlétisme, mais personne s'en est rendu compte. La bio de Paul Hood. Le seul qui sac pas de l'an 40. Ah, c'est bon. La bio de Paul Hood. Oui. T'en souviens-tu? Non, hein? Moi, oui. La bio de Bono, le chanteur de U2. Dites-le pas à personne, mon vrai nom, c'est Paul. La bio de Bono, le chanteur de U2. Irlandais, chanteur et sub, impossible. OK. La bio de Bono.
Mes pantalons de cuir sont faits en peau de pauvre. OK! Rapidement avant Marie-Pierre Morin! OK! Oh my God! Allez sur YouTube pour assister à l'émission au Café Campus et pour voir le décolleté de Marie-Pierre, bien sûr. Ça s'arrange. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez venir n'importe quel, il faut avoir 18 ans et plus. Parce que... Martia TVA. La communauté est divisée en deux. Nous n'avons plus aucun allié à Chester's Mill. Alors la résistance commence ici. Ceux qui résistent. Alors c'est ça, mon armée. Un estropié, deux ados en rut et une vaillante journaliste. Et ce, sous son contrôle. Le temps de la cohabitation pacifique est terminé. Nous devons répliquer. Il faut tous les éliminer. Certaines personnes vont mourir. On est en guerre. Mardi 20h.